petit bon Dieu yo, petit Notre-Dame de Fatima yo, prenant avec ce yo, fidèle paroisse là, Notre-Dame Fatima en dernier, tous téléspectateurs et téléspectatrices, channel YouTube, Fatima Pernier TV yo, nous comptons saluer nous jeudi mercredi 12 août 2021. Et nous comptons rentrer la caillon pour nous porter pour vous la vie Sainte-Jeanne de Chantal à travers belle rubrique noire qui se laisse nous parler. Jeanne de Chantal, fête Frémio. Et c'était petit président parlement Bourgogne. À 20 ans, Jeanne de Chantal était mariée avec Baron de Chantal. Elle était gagnée avec lui 6 petites. Timoun, qu'elle te prend soin pour te lever dans la dignité. Jeanne, c'était un catholique intransigeant. Elle était gagnée seulement 28 ans. Le mari t'es mouru, quitte-le. Pendant l'été fait un accident de chasse, 4 ans après la mort mari, l'été tendait François de Sales, qui t'a prêché pendant un temps carême. C'est comme ça. L'été ouan en lit yon guide spirituel. Confiance yon te vin gen nan l'autre te fait que yon te vin gen yon grande aventure ensemble. Yon aventure religieuse et à la fois spirituelle. Ensemble, yon te vin fondé yon ordre qui relait l'ordre de la visitation. Une congrégation qui te gagne pour mission prend soin de filles qui ont santé qui est fragile. Après la mort de François de Sales, Jeanne de Chantal te gardé intacte spiritualité salésienne. Pendant 40 ans, Jeanne t'a tenté en pile dans la foi, il était voulu abandonner. Mais l'amour bon Dieu te suffit pour lui. C'est comme ça. Jeanne de Chantal vient mourir à Moulin dans la date 13 décembre 1641. Jeanne de Chantal, un modèle que l'église d'Ambanon. Yon moun qui était catholique juste en homme et qui était goumen, qui était bataille pour l'église li, était capable d'avancer plus devant. Même gens ensemble avec lui, en nous cultiver même la foi ça, pour nous capables toujours dire oui, nous pour avancement l'église nous. Pour nous capables toujours travailler dans la collaboration. Pour l'église nous, hein, les capables de connaître des jours meilleurs. À nous chaque et à nous toutes, nous souhaitons une bonne fête Sainte-Jeanne de Chantal et nous souhaitons un bon mercredi.